C'est l'éclusier du canal du Midi, c'est bien plus qu'un métier. Il fait ça depuis tout petit, de permettre aux passants de finir leur voyage. Lui qui finalement n'a jamais vu la plage. C'est l'éclusier du canal du Midi, personne connaît son nom mais tout le monde son visage. Et ce drôle de métier que les passants envient, à cette obligation bloquée sur le rivage. Il se voyait voyageur voguant sur toutes les mers, les fleuves, les océans, bravant les tempêtes, les naufrages, les géants, des femmes de tout port, il se voyait amant. N'ayant que sa main comme seule compagnie, et puis assez d'argent pour ne plus vivre ainsi, l'éclusier entama l'aventure de sa vie pour aller se payer des filles de compagnie. Voyage tourna court, à la première occasion qu'il eut de faire la cour, il ramena un garçon. Ayant abusé de l'alcool local, l'enfant s'est barré en le laissant à poil. Il se voyait voyageur voguant sur toutes les mers, les fleuves, les océans, bravant les tempêtes, les naufrages, les géants. Femme de tout port, il ne sera pas l'amant. C'est l'éclusier du canal du Midi, sur les plus belles plages, il mendia sa vie, laissant au passage, parti de son pucelage, un prince du Qatar qui avait à peu près son âge. Comble du destin, le voyage s'est fini un mardi matin, vers 9h30, car ayant survécu à un gros tsunami, les secours qu'il le crut l'ont ramené au pays. Il se voyait voyageur voguant sur toutes les mers, les fleuves, les océans, avant les tempêtes, les naufrages, les géants. Femme de tout port, il ne sera pas la main. C'est l'éclusier du canal du Midi, de ses rêves viciés, il en est ressorti. Si on lui demande ce qu'il a fait comme voyage, il répond fièrement: j'ai jamais vu la plage.